Touchez cette cible. Je dois rester hors de vue.
Avance. Malade. Cassandra, je ne t'avais pas revue depuis que tu m'as emmenée voir les ruines d'Ulysse. Odessa, tu t'en souviens? Comment aurais-je oublié? Tu m'as dit de mener ma propre vie, sans me préoccuper de la grandeur d'autrui. On dirait que tu as suivi mon conseil. J'ai dû prendre soin de mon père malade. Alors non, je n'ai pas eu le loisir de mener la vie dont je rêvais. Je rencontre beaucoup de gens, mais je dois dire que c'est vraiment toi la plus belle. Oh, c'est vrai? Eh bien, tes paroles chassent un peu mes soucis. Si tu as un peu de temps, nous pourrions en profiter pour mieux nous connaître. À quoi penses-tu? Eh bien, à plusieurs choses, mais... Commençons par discuter un peu. Oui, ce serait... bien. Ça t'intéresse? Oh, j'aimerais beaucoup. Mais je dois d'abord trouver plusieurs choses pour mon père. Si tu m'aidais... Nous pourrions peut-être continuer cette conversation. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Qu'est-ce qu'il te faut? Quelques herbes de la vallée du roi Lélex, près d'ici. Ainsi qu'une décoction à laquelle mélanger les herbes. Un marchand me la met de côté au marché. Ton père doit être vraiment souffrant pour que tu ne puisses pas y aller. Je suis sa seule enfant. Je préfère rester, au cas où son état empirerait. Tu sais de quoi souffre ton père? Non, et son état ne s'arrange jamais. En tout cas, la décoction et les herbes apaisent ses souffrances. S'il meurt, tout ce domaine t'appartiendra, non? Oui, mais je le vendrai. Quelle meilleure raison aurais-je de tout laisser derrière moi et de vivre ma propre Odyssée? Pourquoi ce nom lié à l'Odyssée? Je suis une descendante d'Ulysse. L'Odyssée, Odessa. Reste auprès de ton père, je vais revenir avec les herbes et la décoction. Intérêt à ce qu'on me remarque.
entendre. Viens te chercher. Tu n'as pas d'honneur. Allez, on y va. Les herbes d'eau descendent. Kéré, étranger, besoin d'un coup de main? La violence est-elle l'état naturel de l'homme? La paix existe-t-elle vraiment, ou n'est-ce qu'un répit entre deux assauts? Je préfère me battre à débattre du combat. Viens-en au fait. Bien sûr, bien sûr. Quand un dirigeant meurt, des hommes plus faibles et malveillants se lèvent. Le commandant du campement voisin est devenu brutal et tyrannique.
Il est temps de le mettre au pas. Alors, tu me demandes d'envoyer tous ces Athéniens aux enfers. Ah, grand Dieu, c'est exactement ce que je souhaite. Je vais m'occuper de ça. Tu sauras exactement ce qu'il me faut. Kéré. Avance. Ce marchand doit être celui dont a parlé Odessa. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos familles! Les meilleures marchandises qui soient! J'ai même des choses pour les mercenaires comme toi. Odessa m'envoie. Oh, mais bien sûr, je l'adore! Et ça m'aurait fait plaisir de la voir. C'est pour son père, j'imagine. Donne-moi la somme et tu auras sa commande. Tiens, voilà. Les ventes rapides, c'est ce que je préfère. J'espère que ça aidera Odessa. Doucement. C'est parti! Ces hommes sont au service du dirigeant de Megaris. Apparemment, Odessa leur a causé des ennuis. Les herbes et la décoction n'ont rien? Tu les as, n'est-ce pas? C'est tout ce qui t'inquiète? On vient de nous attaquer! Tu dois avoir l'habitude. La contrée regorge de bandits. Que contient la lettre que tu as lue? C'est à toi qu'on en voulait, à toi seul. Pas à moi. Je n'en reviens pas. Apparemment, c'est lié au domaine de ton père. Ils veulent probablement vous en chasser pour se l'approprier. J'aurais pu mourir.
sans avoir eu l'occasion de me faire un nom. Tout le monde m'aurait oublié. Personne n'abîmera ce visage. Sans douleur, pas de gloire. Si tu m'emmenais à l'intérieur pour me faire souffrir un peu... Oh, j'adorerais, crois-moi. Mais cette nouvelle... Et quelqu'un cherche à me tuer, après tout. Comment peux-tu penser au plaisir dans une situation pareille? Qu'est-ce qu'on va faire, maintenant? Eh bien, il faut agir. Crois ce que tu veux, mais je peux te montrer la vérité. J'ai juste besoin de ton aide. Ça ne m'étonne pas. Je te le dirai si je te l'accorde. Tu es prête à apprendre toute la vérité sur ces événements? Bien sûr. Je le savais. Tu penses que ces gens m'en veulent, et tu as raison. Mais j'aimerais en avoir la preuve. La vérité apparaît toujours. C'est vrai. Et alors, je pourrais suivre les traces d'Ulysse. L'Odyssée ne parle-t-elle pas d'Ulysse et de ses prouesses amoureuses? Ah bon? J'ai dû sauter les passages. Tu as dit que tu aimerais vivre une odyssée. On peut faire mieux que ça. Nous reparlerons de nous quand tout ça sera fini. Avant tout, ce message provenait du dirigeant de Mégaris. Il doit exister une preuve de ce qu'il prépare. Oh, si elle existe, elle est sûrement chez lui. Alors vas-y. Je trouverai cette preuve. Bien. J'aimerais en finir avec tout ça. Tu as une idée de ce que je dois chercher ? Cet homme est le plus puissant de Mégaris. Je ne peux l'accuser que si je détiens la preuve qu'il veut se débarrasser de moi. En supposant que je trouve ce que tu cherches. Ensuite ? Ensuite, j'en parlerai à tout le monde. Le dirigeant ne pourra rien contre mon père et moi quand on connaîtra ses projets. Je vais revenir avec la preuve, quelle qu'elle soit. Je dois aller chez ce dirigeant pour en savoir plus. On y va. C'est là. S'il existe une preuve, c'est ici que je la trouverai. Mieux vaut éviter de se faire voir. Cette lettre parle du domaine d'Odessa et de la nécessité de s'en emparer. Par tous les moyens nécessaires. L'un des prétendants d'Odessa est mort mystérieusement peu après l'avoir rencontré. Je vais devoir être prudente. L'endroit est bien gardé.
Après cette lettre, Odessa a engagé d'autres mercenaires. Je me demande pourquoi. Le dirigeant de Mégaris voulait pousser Odessa à épouser quelqu'un. Un moyen idéal pour s'emparer du domaine de son père. Réduire les chances des Athéniens. Je crois que j'en ai assez appris. Il faut que je retourne voir Odessa. Allez! Le dirigeant de Mégaris convoite le domaine d'Odessa. Il a tenté d'arranger un mariage pour s'en emparer à la mort de son père. Mais d'après ses lettres, un de ses prétendants a été tué sans que l'on sache comment. On sait pourtant qu'elle a engagé d'autres mercenaires. Confirmer si Odessa est une victime ou non. Te revoilà. Avec de bonnes nouvelles, j'espère. J'ignore encore si elles sont bonnes. J'ai trouvé deux preuves indiquant qu'on veut t'éliminer. Parfait. Et pour quelle raison? L'une d'elles est la richesse de ta famille, l'autre est liée à un mariage arrangé. Il y a maintenant de quoi prouver que je suis la victime. Tu as engagé d'autres mercenaires? Oh, pour de petites choses ici et là. Qui n'a jamais eu besoin de mercenaires, après tout? Un homme que tu devais épouser a connu une fin brutale. Il a probablement été tué par ceux qui en veulent à ma vie. Avec tout ce que j'ai trouvé, je sais ce qui se passe. Ah, et c'est quoi? Tu ne mérites rien de tout ça. Tu essaies simplement de vivre ta vie. Naturellement! Je n'ai rien fait de mal! Je veux simplement que mon père aille mieux et entamer ma propre odyssée. En attendant, on pourrait s'amuser un peu. J'aime beaucoup tes avances. Dis-moi, qu'est-ce qui doit me faire chavirer cette fois? Tu pourras le découvrir en me déshabillant. Je peux faire ça.
avez de quoi me faire mes amis. Je te l'avais dit. Bon, eh bien, je crois qu'il n'y a plus rien à faire maintenant. Pourquoi nous dire adieu? Tu pourrais rejoindre mon équipage. Eh bien, tu m'as toujours soutenue, et ce serait agréable de partir d'ici. Excellente nouvelle. Et ton père? Il se sent beaucoup mieux, grâce à toi. Tu n'as pas peur qu'on s'attaque à lui? Je vais transmettre les informations que tu as trouvées. Tant que nous les détiendrons, il ne craindra rien. Alors je te souhaite la bienvenue à bord. Essayer de ne pas me faire voir. Hé, tu es qui, toi?
Notre boss. Alors, c'est à ça que ressemble la guerre. C'est différent de ce qu'on en dit. Voilà, madame! Je vais te saigner! Diminuer la concurrence. Tu es de retour. Les as-tu tués ? Je me suis occupée de ces problèmes, jusqu'au dernier.
De l'excellent travail, mon ami. Je t'en prie, prends ceci. Je termine toujours ce que je commence. Allez. Hey. Hyrcanos, le mercenaire, est mort. Sparte te remercie, Mystios. Et ma récompense? Nous n'avons pas conclu de contrat. C'est toi qui t'es lancé dans cette aventure. Mais sache que Sparte t'est reconnaissante. Parfait. Allez. Je veux savoir où se trouve chaque Spartiate. Ne reviens pas avant d'avoir la tablette. Oui, Polémarque. Tu as perdu quelque chose? Pas perdu, mais volé. C'est Stentor qui m'envoie. Il a parlé d'ennui avec des espions. Je préfère un espion athénien à un traître Spartiate. Dans tous les cas, il faut le trouver. Il a pris une tablette portant des informations cruciales. Où est cet espion? Toujours dans le campement? Si je le savais, je me passerais de toi. Je doute qu'il soit encore là, mais il n'a pas pu aller loin. Il a été blessé quand il a tué le garde.
quel qu'il soit, il paiera pour avoir trahi Sparte. Mystios, si cet homme est un Spartiate, fais-le souffrir avant de le tuer. Ta tablette te sera rendue, et le coupable sera puni. Tu sais de quel côté il est parti ? Mes hommes disent qu'il est parti vers la colline, là où il est plus difficile de le poursuivre. Tu as des informations qui pourraient m'aider ? La région est âprement disputée, mais Sparte domine. Nous repoussons Athènes. Mais avec la guerre, les forêts et les montagnes sont devenues des nids de bandits et de mercenaires. Non, à propos de l'endroit où il a pu aller. Il est blessé. Et il y a une source dans la forêt. À sa place, c'est là que je serais allé. Je reviendrai bientôt avec ta tablette. Les montagnes et les forêts de Mégaris sont dangereuses. Et il n'a sûrement pas agi seul. Je suis parfaitement capable de m'occuper de ton espion. Kéré. Bien, mais... Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Je suis celle qui va rapporter la tablette que tu as volée. Pourquoi as-tu volé cette tablette? Pour la revendre. Les Athéniens seraient prêts à en donner un bon prix. Comment es-tu entré dans le camp? Les Spartiates ne soupçonnent jamais les leurs. Ils sont trop occupés à nous mépriser, Malakès. Donne-la-moi. Je ne partirai pas sans elle. À la guerre, il n'y a pas de vainqueur. Mais il y a des occasions. On pourrait peut-être s'arranger. Donne-moi la tablette, ou je te mets en pièces. Je suis trop faible. Tiens. Prends la tablette. Je dois rapporter cette tablette au commandant. Ah!
Se montrer très vigilant. Ça commence à devenir agaçant. Thank you.
Je veux savoir où se trouve Choc Spartiate. Apollo, vous... Tu as trouvé le lâche qui a fait ça? Je l'ai trouvé. Et il l'a payé de son sang. Le prix de la trahison. Tu as la tablette? Kéré, tu as besoin des services d'une Mystios? Toi, tu navigues avec Barnabas à bord de l'Adrestia. Comment le sais-tu, étranger? J'ai navigué avec lui, moi aussi. Jusqu'à ce qu'un pirate m'enfonce une lame dans le dos. Maintenant, j'ai du mal à me tenir droit. C'est toi qui m'as remplacé. Désolé pour ta blessure.
Je ne savais pas que j'avais pris la place de quelqu'un. Le pire, c'est que j'ai toujours rêvé de naviguer avec mon fils. Ah. Mais avec cette infirmité, je ne pourrais même pas acheter une coque de noix. Donc tu voudrais que je te donne de l'argent? Oui, tout l'argent que tu donneras sera utile. Tiens, prends ça. Les chefs de guerre sont satisfaits, mercenaires. Quelle nouvelle apportes-tu? Le chef athénien est mort. Mégaris est sur le point de tomber. Bien. Le loup a donné l'ordre d'attaquer. Je suis content, Mystios, que tu te joignes à notre marche vers la gloire. Je suis fier d'être à tes côtés. Oui, tu as gagné ta place. Nous allons gagner, pour le loup et pour Sparte. Viens, nous devons rejoindre le campement avancé. D'accord, je suis prête. Suis-moi. Nous devons nous préparer en vue de la bataille. C'est un grand homme. Il mènera Sparte à la victoire contre les... Non, non. Dis-moi quel genre d'homme, quel genre de père il est. Il force l'admiration. Fort, bienveillant à sa manière. Et parfois, je... Oui ? Rien, mais... Son regard se perd parfois dans la brume de ses souvenirs. Et j'y sens comme de la tristesse. C'est le chef militaire de Sparte. Mais c'est aussi un homme de chair et de sang. Et la vie apporte son lot de regrets. Ça va être différent des combats auxquels j'ai pris part. Tu es prête à écraser les Athéniens ? Je suis prête à me battre. Victoire pour nous!
Le loup réclame la présence de la mercenaire. Annonce-lui que nous arrivons. Je regrette, mais il veut voir la mercenaire seule. Quoi ? J'ai dit que le général... J'ai bien entendu, mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne discute pas ses ordres. Très bien. Apparemment, d'autres devoirs m'attendent. Nous y voilà. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Meurtrière ! La traîtresse ! Elle l'a tué ! Ainsi, c'est toi qui nous a apporté la victoire. Donne-moi ton nom, héroïne, afin que je puisse t'accueillir en vraie guerrière. Kéré, père. Cela faisait longtemps. Impossible. Je t'ai vu tomber. Je ne suis pas tombée. Tu m'as jetée vers ma mort. J'ai accompli ce qui était mon devoir de Spartiate. Et j'ai enfoui ce souvenir. Tu dois en faire autant. Tu étais mon père. Ton devoir était de me protéger. Tu étais téméraire. Tu m'y as contraint. Je ne faisais que protéger mon frère. À ta place. L'oracle avait déclaré qu'Alexios devait mourir. Sa parole est sans appel. Tu le sais. Non, il est trop tard. Tu ne peux plus te cacher derrière ton sens du devoir. Je ne peux pas changer le passé, Cassandra. Je vivrai et mourrai en Spartiate. Tu savais qu'on offre une grosse récompense à celui qui tranchera la tête du loup. Et c'est pour ça que tu es là. Tu as trop longtemps fui le passé. Il est temps que tu paies pour ce que tu as fait. Mille fois la mort. Mais la vengeance n'a rien d'honorable. Tu dois affronter les fantômes du passé, père. Et c'est un sort bien pire que la mort. J'ai manqué à mon devoir. Je n'ai pas su te protéger. Vous protéger. Je t'ai aimé autant que ton frère. Comme si tu étais à moi. Mais ça n'a jamais été le cas. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est une question que tu devras poser à ta mère. Attends. Retrouve ta mère. La retrouver ? Myrine ou qu'elle soit, on sait beaucoup plus que moi. Où vas-tu aller ? Chercher mon honneur. Méfie-toi des serpents dans les herbes. Il faut que je parte d'ici. Je dois retourner voir Barnabas.